Dès ce jour, Oumarou Idrissou et Mariam Idrissou sont liés pour la vie devant Dieu et face aux hommes. Un événement exceptionnel qui démarre le vendredi 20 août 2021 dans la ville d'Obala avec la célébration du mariage religieux coordonné par l'imam principal de la mosquée centrale d'Obala, Ousmanou. Une cérémonie qui illustre la présence des autorités administratives, religieuses et autres personnalités, notamment le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Amadou Moustapha, l'ambassadeur d'Égypte au Cameroun, El Ahmed Mahmoud Soliman, en compagnie de son épouse, le général Ousseni Djibo, chef de la communauté musulmane de Yaoundé 7e, Mohamedou Yakoubou, maire de la ville de Douala, Amadou Inoussa, conseiller municipal de la mairie de Yaoundé 2e, le commandant Ibrahim, des membres de la communauté musulmane, des amis et proches de la famille. Donc nous remercions Dieu le Tout-Puissant d'avoir vu le mariage de ses enfants. Quoique tout ce qu'on peut dire, il est question de souhaiter un bon mariage à ses enfants et que le couple soit ce couple qui vont servir le pays, qui vont servir la religion. Et que nous prions pour la préservation de la paix dans notre pays. Parce que s'il n'y a pas la paix, on ne se serait pas réunis dans ce sens pour célébrer ce mariage. C'est à la mairie de l'hôtel de ville de Yaoundé, ce samedi 21 août 2021, que le couple Oumarou se présente devant Palalou Midiyawa, adjoint au maire de la dite mairie, pour leur union. À l'unanimité, le jeune couple opte pour le régime matrimonial polygamie et séparation des biens. L'article 215 est dévoilé aux jeunes mariés pour leur rappeler les responsabilités de chacun au sein du foyer. C'est alors avec un tendre regard et des paroles alléchantes que ceux-ci se garantissent amour et fidélité pour la vie. Une joie incomparable séjourne désormais dans le couple Oumarou qui célèbre l'amour ainsi qu'au sein de leur famille et de leurs proches rassemblés. Je suis très très content, je suis ému. Et puis vraiment, aujourd'hui là, je n'ai rien à dire au Seigneur que j'ai vu. Mes deux enfants vont se marier. Vous comprenez? Une salle de fête fastueuse décorée aux couleurs de l'amour, avec des prestigieux invités venus de tous les coins vivre cette joie, accueille les nouveaux mariés. Vêtus de couleurs scintillantes, le jeune couple a su donner une soirée mémorable à leurs convives avec la présence de plusieurs artistes, à l'instar de Ali Dita, artiste musicien nigérien, qui s'est déplacé spécialement pour rehausser l'image de ce grand événement. Des artistes musiciens, Lady Ponce, Katino et Happy Defoulan ont mis une belle ambiance dans la salle. Je suis vraiment très 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 à l'aise. Je suis très très content. Crépin Kolo, contrôleur financier du MINDEF, Idrissou Damalan, Abou Idrissou et Nourou Sabou immortalisent cette soirée. La coupure du gâteau et la remise des cadeaux marquent la fin de cette célébration. Des valises de plus de 200 pagnes et 150 chaussures sont offertes à la mariée par son époux en symbole de cadeau.